Coucou les scrapadilles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite page ensemble, patouiller ensemble. Encore et encore. J'ai sorti des magazines. J'ai sélectionné des combos de couleurs. Déjà, on va partir sur ces couleurs-là. Après, ces couleurs-ci. Après, je ne sais pas trop. Mais avant, on va sélectionner, on va prendre une petite bonne femme féerique. Restons un petit peu dans la magie. Ah, il y a un joli truc d'anniversaire là. C'est joli ça. C'est joli ça, ce petit enfant. J'ai pas envie ça. C'est joli, regardez. Une fête d'anniversaire. C'est trop mignon. Bon. On n'en est pas là. Alors là, j'avais. Vous voyez là pour faire. Du washi maison, c'est ça, c'est sympa aussi. Et j'en ai fait avec des fleurs. J'ai pris un bouquin de fleurs là. Il y a des belles fleurs pour faire des washi maison. Regardez ces jolies fleurs là. C'est sympa aussi. J'en ai fait hier soir. Normalement, je les ai mis quelque part. Je sais pas où. Bah, il passe des voitures, ça le fait japper, cette espèce d'andouille. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, ça devait être quelque part. Bon, on n'en est pas là. J'ai envie de dire, on n'en est pas là. On va chercher une dame à costumiser. On va la rendre féerique. Ah, justement, on va partir sur celle-ci, de petite dame. Sur celle-ci. Alors, on va lui couper un peu toute la pub qui nous intéresse pas. Voilà, on va couper un petit peu comme ça. Il fait super beau. Il y a eu un temps exécrable hier. Et aujourd'hui, il fait super beau, mais il fait pas chaud. Par contre, il y a un beau soleil, un beau ciel bleu. C'est ce qui compte. Alors, on est en fin de journée. J'ai une petite maman à m'accorder pour moi. J'ai envie de dire parce que je le vaux bien. Savoir s'accorder les petits moments à soi. Et là, on va se détendre un petit peu en faisant de l'arcolage. Ils sont tombés. Les problèmes et les soucis. Et mettons-nous dans l'arcolage. Hop, je coupe un peu. Je ne vais pas l'esquinter. Mais je ne sais pas trop comment faire là. Bon, allez, c'est comme ça. Bon, ça fait moche. Attendez, non, ça fait vraiment moche. On dirait que ça fait. On va faire carrément comme ça, l'ovale du visage. Hein. Voilà. On va la rendre féerique, cette petite dame. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Parce qu'elle me. Qu'on te fait, elle ne me plaît plus. Ah, mais non, mais quand on est pénible, hein, on reste jusqu'à la fin. Hein. Ah, Lulu. De quoi? Quand on est pénible, c'est pénible d'un jour, pénible toujours. Hein. Ah, ouais, bon. Ah, j'ai envie de lire, ouais. Celle-ci, elle se marre. Elle se marre. Elle ouvre vraiment trop une grande bouche. Celle-ci, ça pourra faire pour un décor, mais pas pour la rendre féerique, la pauvre dame. Il n'y a pas tant que ça de grosses têtes alouettes. Pourquoi que ce soit assez conséquent, la pauvre dame. Voilà, pauvre.
non plus. Malheureuse, la pauvre Brodina. Alors, est-ce que je trouve une bonne femme qui me plaît? Ben non. Qu'est-ce que c'est que ça? Atabata. J'ai déjà bien découpé celui-ci de. Ah bah il y a elle. Ah il y a elle là. C'est la même? Y a elle. Elle, non, elle a tous les cheveux. Elle. C'est la même bonne femme. Ouais, c'est toute la même de partout, j'ai l'impression. Ça, si ça irait bien, mais il y a un des trucs marqués sur les joues quoi, que je pourrais trafiquer, mais bon, c'est un. Ah, quoi que je pourrais. Celle-ci aussi, là. Alors. Blonde, rousse, bleue, verte. Qu'est-ce que je prends? Celle-ci, elle irait pas mal, mais ça me gâche le côté. Celle-ci, elle a plus une tête féerique. Hein. Ouais, mais là, je l'ai coupée, là, la pauvre tête, alouette. Là, elle a les yeux, mais c'est coupé, là. Rien qui va. Bon, on va prendre elle. Elle, c'est trop gros. On dirait elle aussi, c'est gros, mais elle est mieux proportionnée. Parce que là, je coupe toutes les. Là. Là. Il y a d'écriture, là, je pourrais jouer avec. Plus avec. Coller des stickers dessus pour masquer l'affaire. Ah, faut choisir hein, ce qui nous botte. Alors, tout compte fait, je pars sur cette bonne femme. Je voulais celle-ci, mais elle a un œil coupé. Oh, et qui va, quoi. Ouais, bon, enfin, bon, celle-ci, je peux pas. Si elle a un œil coupé, pourquoi ils l'ont fait la. Pareil aussi, celle-ci, elle a un œil coupé, regardez. Là, ils ont arrêté la photo. Là, il y a du blanc. Elle a un œil coupé aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon. Ça vient peut-être du magazine, comment ils ont imprimé. Je sais pas trop. Bon, donc de l'affaire, on part sur cette petite bonne femme. Et on va choisir des mots qui nous plaisent maintenant. Les fabasses. Alors, qu'est-ce qu'il y a des mots qui me. Parle aujourd'hui, vous laissez parler son moi intérieur, bien-être et détente. Tiens, j'aurais bien besoin. C'est toi, Tabata? Ah. J'ai les dents potées, ça. Bien-être et détente. Tabata mis sabord. Oh là là, ça y est. Moi j'ai copé d'un chat. Qu'à présent je disais, bah, je suis contente. Ils sont tous pas là. Ben voilà, maintenant j'ai la barrique. Dis madame la baronne. Tabata, viens. Viens ma douce. Viens la maman. Madame la baronne monte son postérieur. Non mais ça se fait pas des bonnes manières, madame. Vous avez oublié toutes vos bonnes manières, madame la baronne. Elle s'est un petit peu empotée. Montre-toi ta frimousse, là. Non, mais tourne. Oh, la barrique. Oui, ma douce. Voilà. Ne t'as pas monté ton popotin toute la soirée, là. Madame la baronne. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien. Regardez pas. Bouchez-vous les yeux. Madame la baronne a des mauvaises manières. Ah ben voilà, ça continue. Bon, voilà, elle est partie. Non mais, voilà. Lulu, occupe-toi de la baronne, s'il te plaît.
Viens la chercher, la grosse barrique. Elle s'est un peu empotée. Bon, j'ai rien à dire au niveau de l'empotage. Ferme ta bouche, j'ai envie de dire. Tabata. Lulu, tu peux venir la chercher? Elle commence à être odieuse. Allô, ici, Houston. Oui. Je lui dis, je vais pas être tranquille. J'ai un pressentiment là. Je sais pas. Ah, l'équilibre de votre flore intestinale. Non, mais je vais pas prendre ça. My God. Alors, non, non. Non, non, non. Bien-être et détente. Il y a le mot activé là. J'ai un petit peu soin de détente et de bien-être. Pas de mal dans ce monde de brutes. Peux plus de ce monde de brutes. Je suis pas venue là pour souffrir, Luc. Je suis pas venue là pour souffrir. Ouais, mais des fois, je me. Alors, quel mot me tente? Non, non, non. Je trouve pas de mots qui me tentent. Besoin d'une consultation. Peut-être chez un psy, là. Peut-être que j'y aille quand même, non? Ah, je suis interdit d'office, là. Hein. Ah, Lulu! Ils me mettent au pavillon des lilas sans passer par la case départ. Avec une thérapie approfondie sur mes troubles variés. Ils n'ont moins des. Et j'en passe. Finesse, pauvre psy qui va me. Je m'en déprime. Hein. Il passe en déprime d'office. Oui. Puisque c'est comme ça, je remonte à billet. Qu'est-ce que j'avais sélectionné là? Ah, des bouilles. Ouais. Votre veste est abîmée, vous pouvez la sauver. En faisant réparer, on va donner. Profitez du. Non. Eh ben, ma foi, non. Là, il y aura peut-être que ces deux mots qui vont me botter aujourd'hui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dur à cuire. J'arrive même plus à lire. Non. Toubib. Toubib ou not toubib? Voilà ma question. Non, mais c'est pas ça que je veux, hein. La vie de je sais pas quoi. Alors, la vie de crotte. Non, quand même pas, mais bon, on n'en est pas loin, hein. Non, quand même pas, faut pas non plus. Pousser mémé dans les orties, quand même. Hein. Bon, la vie de. Je sais pas quoi, faut que je trouve un autre mot. La vie de. La vie de. La vie de. Qu'est-ce qui pourrait aller avec? La vie de. La vie. Est-ce qu'il y a un mot qui irait avec?
Stress, fatigue, recharger votre peau. Mais je vais mettre stress, fatigue, recharger. Et je vais mettre des ampoules. J'ai envie de faire ça. Ah, le monde de maintenant est hyper stressé. Je suis pas fait pour ce monde, moi. Hein, de roses, de rêves, de fées. Mais enfin, 5 ans et demi, moi. C'est trop dur pour quelqu'un qui a 5 ans et demi. Non, mais franchement, 5 ans et demi, moi, je vais mettre dans mon... Alors, si vous me cherchez, je suis dans mon château en train de colorier. Et mon château, je fais des piles de coussins. Alors, dans l'œil du maître. Celle-ci, elle est pas mal de bonne femme, là. Je l'adore, celle-ci. Elle est un peu excentrique, voire même beaucoup. J'aime bien cette bonne femme, là. Elle fait très excentrique. J'aime bien tout ce qui est excentrique. Elle est hyper... j'adore. Regardez celle-ci, ma bonne femme. Je la mets, je sais pas où. Je la prends. Elle est hyper excentrique quand même. Ah, une... Attendez. La vie de... Au top. Ah, je découpe deux feuilles en même temps. C'est pas grave. Bah, c'est deux fois au top. Je garde dedans là. La vie au top. Je garde dedans, on sait jamais. Si je trouve quelque chose qui va mieux. Je vois pas un autre truc qui irait. Bon, c'est tout ce que je trouve. Une vie de... quatre heures. Je prends hein. Skin bot hein, après on fera le tri. Allez hop, ça suffit. Ah, je fais ça la poussière, je sais pas. Alors, et là, il y a d'autres mots qui me bottent. Je regarde, hein. Peut-être qu'il y a un mot qui me sautera aux yeux et que j'aurai une idée de génie. L'ami des jardins de la maison.
J'en fais des copeaux. C'est pas coupé qui m'intéresse quand même. Hop là, j'ai trouvé des astuces sur l'accolage. Et eh ben, j'en ai trouvé zéro. La tête à Toto. On ne peut pas trouver tout le temps sur des petites astuces qui me bottent. Après. Parfum d'hiver, c'est joli, mais c'est pas l'hiver. Le bonheur, ça va par deux. Ça va par deux. Le bonheur, ça va par deux. C'est pas possible, je ne sais pas. Vous perdez un doigt. Le bonheur, ça va par deux. Bon. Balade au jardin. Oh, c'est joli ça. Bon, je vais arrêter parce que je ne vais pas non plus mettre 300 mots. Hein. Allez, on arrête là sur les découpes. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Balade au jardin, c'est mon dernier mot. Jean-Pierre. On avait dit que c'était le dernier mot. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. Tu vas t'arrêter, oui. Illuminé. Bah, c'est un peu comme moi, ça. Je suis illuminée. Je le prends le mot illuminé. C'est un peu moi ça, je suis. Mais c'est où? Des chemins pour les lutins. Oh non, mais attendez! Des chemins pour des lutins. Du livre. Mais attendez. Dans le monde féerique. Voilà, il faut que j'aille chercher mon autre truc où j'ai mis lutin. Ah, il faut que je mette un lutin. Un lutin malin. Des chemins pour les lutins. Mais c'est trop mignon. Bon, allez, hop. Ça, cette fois, c'est mon dernier mot. Jean-Pierre. J'arrête. Faites attention, on vous élimine après. Bon, écoutez, on va partir sur ça. Hop. Oh. Je suis passée d'un étage inférieur. Je vais me casser la main. Boulette. Oui, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Attendez, j'ai glissé. Voilà, c'est possible ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais problème avec ça, j'ai collé avec de la colle chaude. Bientôt pas tarder, ça, cette affaire. Oh oh, Lulu, alerte, il y a une bête dans la cuisine. C'est la même que tout à l'heure. Oh my god, mais elle est sortie par où? Lulu, au secours! Bête dans la cuisine. Je vais faire moi-même. Tartine, mais bon sang, mais au lieu de la regarder, tu veux pas la manger? C'est pas possible, j'en peux plus. J'ai beaucoup de mal avec ces chats. En train de, ils sont deux avec sur une bête et ils la regardent avancer. Oh. Ces chats ne servent à rien. Et c'est pas possible. Ah, mais pas idée. Oh là là là. Oh, c'est brodin de bestiole. Bon, on va partir sur ce combo-ci. Combo-là. Allez hop là, c'est parti. Showtime. Alors, j'en ai fait hier soir un petit, deux, trois patouilles. Mais j'ai envie d'en refaire avec vous. Moi, je sais, je suis en ce moment, je tourne un peu en tournant, mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Ah, je voulais pas partir dans ce tordre-là. Bon, bah, c'est pas grave. On fera une deuxième ronde. Allez. Ah, bah, si, j'avais dit comme ça. Ouais, je sais plus. Noir, qu'est-ce que je vais dire? Noir, orange. Jaune. Bleu. C'est un bleu qui est un peu clair. J'ai un petit peu de... Je vais te rajouter un peu de foncé. Attendez. Noir. Et fini par le orange. Je vais rajouter un peu de bleu. Je trouve un peu pâle du genou là. Oui. J'ai pas pris mon. Qu'est-ce que je fais? Wesh, Luc, ta mère est en PLS sur le carrelage. Tu peux me dire ce que j'ai fait du produit de mon vinaigre et je l'ai laissé dans la salle de bain? Oui, c'est bon, c'est possible. Là, c'est pas du vinaigre, hein, c'est de l'eau, mais je sais plus ce que je fais. Je ne sais plus dans quel état j'erre. Allez, hop. On va partir sur ces couleurs, on va voir ce que ça donne. Alors, je tape sur Pinterest combo de couleurs et il y a des photos et en dessous, il y a des petits carrés de nuanciers. Et ils disent les couleurs qui sont sur cette photo en fait. Et je trouve que c'est sympa de partir comme ça. Et je ne sais pas où c'est que j'arrive. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Oula. Rien ne va plus là. Alors, c'est comme ça. Alors voilà ce que ça donne déjà pour ça. Je crois que j'avais jamais fait ce combo de couleurs. Mais je ne crois pas. Moi j'ai pas mal de. En fait, avec mes feutres d'écolier là, on arrive à faire des. Enfin, moi je trouve que ça me convient. Ça me convient bien. Alors après, l'autre combo, c'était ça là. Je crois que c'était ça. C'était le bleu. Je sais plus. Ouais, c'était devait être le bleu. Ouais, je sais plus. Bon, on va partir sur ces couleurs. Trois couleurs là cette fois. J'en fais que deux. Avec vous, ça, j'adore faire ce truc en fait. Je sais pas pourquoi ça me, parce que ça me fait au cerveau, ça me détend. Ça me détend de partir dans mes couleurs comme ça. Ça fait partir toutes les mauvaises choses du cerveau. Ça évacue. Enfin moi, c'est ce qui évacue les choses négatives de mon cerveau, autrement je serais un. Ça permet de faire reset. Autrement mon cerveau explose.
Ça me gratouille, excusez-moi. Gratouille. Allez, hop. J'ai un bug là. Mon cerveau était en mode bug. J'ai un bug. Je bug. Et ça fait très joli. Regardez. Oh, oh, c'est magnifique. Toutes ces couleurs. Masse. Regardez. Non, mais j'adore quoi. Oh là là, c'est trop joli. Non, mais. Oh non, mais. Non, mais trop joli quoi. Trop joli. Bon, allez, l'autre. Et j'arrête cette patouille. Je vais aller chercher mes lutins. C'est dans une autre boîte. Oh. J'en ai cependant sorti là. Ma table est. On ne peut plus rien mettre là. Que je range un peu là. Je vais faire une pause. Pour évacuer tout ce bazar. Bazar. J'ai sorti tout mon bazar. J'ai descendu tout mon bazar. Enfin, je vous rassure, je ne peux pas descendre toute ma patrouille. Ma table n'est pas assez grande. Alors, c'est parti pour un show. Qu'est-ce que ce combo de couleurs va faire? Non, c'est pas un truc de chifou de couleurs, hein, mais bon. Allez, c'est parti, surprise. Waouh, non mais c'est mal. Faille, qu'est-ce qu'ils font, Lulu? Je sais pas. Punaise, ces chats. Ah non, je suis pas stressée, non, tout va bien. Là. Non, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Attendez. J'essaye de d'éponger un petit peu. Je veux pas que ça se mélange trop. Waouh, mais qu'est-ce qu'elles font? Ah, ça y est, c'est le cadavre de la baronne. Et le quart d'heure de Praline, la mère-fille, se course. C'est parti pour un show. Tartine show et Tabata show. Tabata show. C'est très joli. Oh non, c'est très joli. Oh, mais c'est oh, c'est très joli. Allez, je vais faire une petite pause. Je vais ranger tout mon bazar. Et puis, je vais chercher mes. Pas mes. La pâquerita, mais mes. Et qui machin, j'ai refait un cappuccino. J'arrive, pas de panique, je suis là. Bon, ben me revoilà. Me revoilà, me revoilà. J'ai fait chercher mes petits lutins malins. Le temps que ma petite bougeoire chauffe, que je fasse brûler une petite bougie pour ma maman et un petit brin d'encens. Ça sent bon. Ça sent bon. Je suis là, pas de panique. Tout est sous contrôle. Attention, ma douce. Je ne t'écrabouille pas une papate. Alors, où je m'en vais, comme dirait ma soeur, où je m'en vais. Alors là, c'est pas mal, mais une bonne petite tasse de réconfort dans ce monde de brut. Voilà, faut se faire un peu de douceur, parce qu'autrement, on va pas tenir. On va pas tenir quand je dis on. Bah, je sais pas vous si vous résistez à le faire. Et moi, faut tenir la barre. Faut tenir la barre. Il faut se prendre un peu de bon temps. Un petit peu dans la journée. Petit moment, parce qu'autrement, c'est plus possible. Regardez. Oh là là. Magnifique. Non mais. Non ma chérie, ça te va bien autant, mais. Oui, c'est magnifique. Alors, j'avais fait, moi, de mon côté. Alors, j'avais fait quoi comme couleur? Je m'en rappelle plus. J'avais fait. Bah, non, c'est dans l'autre sens. J'avais fait ça. J'avais fait celle-ci. Et celle-ci, j'aime pas trop. J'aime moins. Enfin, bon. Ouais.
ça et ça. Alors, on va partir avec cette petite bonne femme. Elle est là, la gamine. Alors, qu'est-ce qui lui va mis au teint? Ma chérie, ma, tu es magnifique, mais non, ça fait un petit peu, non, une palote. Ça te rend palote, ma tu es. Là, qu'est-ce que ça te fait, là? Non, c'est plus fait pour les brunes. C'est des couleurs qui sont plus pour les brunes. Bah non, tu n'es pas brune. Ah, peut-être que celle-ci, là. Je vais partir sur celle-là. Allez, ça te va bien au teint, ma chérie, ma regardez. Si, ça lui va bien au teint, mais si. Oh, si, elle est magnifique. Ma chérie, ma, ça te va bien au teint, mais regarde comme tu es belle, là. Belle ici, ma, que tu es belle ici, ma. Ah, et là, tu vois. Là aussi, là, tu es belle ici, ma, elle est. Ma, t'es magnifique aussi, là. Magnifique, ma chérie. Ah, ça te va, ma. Ah, ma. Magnifique aussi. J'hésite. Ah. Ah. Ah non, on va partir sur l'autre. Ça me change un peu de mes couleurs habituelles. Ma tête change un peu, ma chérie. Ma, voilà. Oh, tu es magnifique. Ma, tu prends toute la page. Ma, tu es belle là. Belle là. Ma, tu es un petit peu grosse de la tête. Qu'il faut que je te coupe. Non, c'est dommage. C'est dommage que je te coupe. Ah, il ne peut pas te couper la tête, Alouette. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai traboté un peu les cheveux. Allez, une petite coupe. Alors, je fais comment? Je coupe un peu les cheveux, hein, ça vous dérange pas? Bah, vous n'avez pas trop le choix. Allez, hop, c'est moi qui décide. Hein. Voilà, je t'ai coupé un peu, bah, comme ça te va mieux comme ça. Voilà. Je vais couper un peu la tête à Louette. Non, enfin, les cheveux. Bah, tu avais trop de cheveux. Allez, on va dire que tu vas rester comme ça, toi, ma belle. Ça m'énerve, ça. Ah, bah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, la gamine. Bah, où elle est, la gamine? Elle est là. Tu es là. Tu es magnifique. Et je crois que je n'ai plus de colle et je suis montée en haut. J'en ai plus, Luc. Dépression. Dépression. Oh non, mais je suis au bout de ma life là. Non, celui-ci, j'avais presque terminé. Faut que je. Ah, mais dépression là. Là, j'ai pas envie de remonter. Ah, bah non, mais je suis au bout. Ah, mais je suis au bout du bout. Oh my god. Wesh. Restons calmes. Je craque. Je vais monter en haut. J'en ai pas un autre tube. Bah, qu'est-ce que tu fais? J'ai quoi là au fond là? C'est quoi ça? Non, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, attendez. C'est pas grave. Alors, one again. Celui-ci, il faut que je termine, mais il faut que je racle dedans. Mais là, j'ai pas envie pour l'instant. Ah! Celui-ci aussi, hein, c'est même combat, j'ai envie de dire. Bon, bah. Ah! Ça, l'ancienne. Hein. Ah, bah, mais que voulez-vous, hein? Je récupère tout, on va pas laisser gâcher. Reste, je dirais pas la moitié du pot, mais presque. Bon, parce que je vais les faire. On doit être en douille. Là, je veux qu'on voit du bleu. Alors, tu te mets là, et puis tu bouges plus, toi. Hein. Bon, bah, j'aurai de la colle au doigt. Hein. Tant pis. C'est assez régressif. Hein. C'est assez régressif cette affaire. Oh, la tartine. Ce démarrage qu'elle me fait. Hein. Avec mes chats, je suis obligée de passer. Je passe l'aspirateur le matin, mais je suis obligée de passer au moins 3 fois le balai dans la journée. Tellement qu'il me laisse des poils. Là, je viens de passer le balai avant ma vidéo.
Et je crois que je vais être obligée d'en commencer après. Que du bonheur, Sacha. Que du bonheur. Bon, on n'est pas là pour pas se plaindre. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné comme mot? Ah, j'en ai mis beaucoup. Ah, ah. Alors, ah. Non, mais reste collé là, toi. Alors, balade au jardin. Mais si, c'est joli comme mot, ça, comme phrase. Propice au rêve. Un gratte. Ça veut pas coller, pourquoi? L'ami des jardins. On va dire que elle, c'est l'ami. C'est pas l'ami Ricoré, c'est l'ami des jardins. Là là. Bon. Quand il faut, faut. Quand il faut, faut. Ah! Je vais renverser ma tasse. Que du bonheur. L'ami. C'est marqué. Ami du jardin et de la maison. C'est un elfe de maison. On va dire que c'est un elfe de maison et un elfe de jardin. Là, c'est à l'envers, j'ai pas vu. Des chemins pour les lutins. C'est trop mignon, ça. Non, mais ma chérie. Alors, c'est pas un nain de jardin, c'est un elfe de jardin et de maison. Cette petite fée, la grue. Voilà. Costumiser un petit peu, la gamine. Pour te rendre un peu féerique. Je mets tout de travers comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Là, qu'est-ce qui est marqué là? Activer. La vie de. Ah. J'ai mis quoi, la vie de? Alors. La vie de. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va. C'est un peu comme dans le scrap. Hein. Alors, la vie de. Ah, j'ai tout arraché. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces chats? La barrique? Ah non, je fais n'importe quoi là. Avec ces. Tubes qui vont plus là. Non. Reste calme, ma gamine. Reste calme. Mais, nom de Zeus. Moule à gaufre. Mais j'arrive. J'arrive pas. Je vais essayer de rattraper ma faute. L'avis de. 24 heures. Ah, tout colle. La vie de 24 heures. Activé. Bon, activé, il manque un E, mais non. On s'en fiche. Faire la prof de français aujourd'hui, hein. Activer. Alors, stress, fatigué, stressé, fatigué, rechargé. On va mettre des ampoules.
pour machiner ça. Bien-être et détente. Au top. Le bonheur, ça va par deux. Je vais mettre deux petits lutins. Bon, je vais me rincer les doigts parce que là, j'ai de la colle de partout. Je suis collée. Collée, 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 collée. Hop, j'en ai trop mis de mots déjà. Bon, bah, la bonne femme, là, je vais pas toucher parce que partout. Deux, je me la rince les doigts parce que là, c'est plus possible. Coco, c'est pas plus mal parce que si j'étais dans ma scrapou, j'aurais pas de point d'eau à part la salle de bain qui est pas bien loin. Mais... c'est pas plus mal de faire dans sa cuisine en fait. Il faut, quand on scrape, il faut toujours un point d'eau. Il faudrait être à côté d'une fontaine ou d'une petite rivière, faire ça au bord de l'eau pour se rincer les bouts de doigts. Ça colle, hein. Alors, je sais pas si ça colle le papier, mais en tout cas, ça me colle les doigts. Vraiment, ça me colle les doigts. Je suis collée, 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 collée. Et ça, je mets une Alors, on va lui mettre un petit peu des choses qui la rendent féerique, la gamine. Parce que là, pour l'instant, elle est un peu... elle est magnifique, mais j'ai pas assez marouflé. C'est pas grave, il y a un peu des plis. Ah, c'est pas grave. Tu es bellissima quand même. Tu es bellissima, la maman, si. Alors, on va la rendre un peu féerique, la pauvre gamine, parce que là, elle ne peut pas le juger comme ça. Alors là-dedans, là, dans mes trucs de Noël, j'ai acheté pour mon fils des petits chocolats. Ben ça sert bien, ça va toute l'année sur ma table. Hein. Je sens bien parti cette affaire. Alors, on va la rendre féerique, la gamine, parce que là, elle est un peu pâle du genou, moi je vous le dis. Je sais pas ça. On a un truc comme ça. Un truc. Qu'est-ce que je vais prendre? Sortir ça. Sortir ça. Sortir ça. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Sortir ça. Sortir ça. Je sors tout. Allez, je sors tout, voilà. Pas nous embêter là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Mais j'avais un truc de. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer que j'ai fait hier.
Ah, j'ai ça aussi. Voilà, bon, c'est bon, j'ai sorti. Regardez ce que j'ai fait hier. Des stickers. Des machins, des washi maison. Avec mon livre botanique. Là. Ça, j'ai fait celle-ci. J'ai fait des washi maison. En arcollage. Voilà, ça servira pour, je sais pas quoi, une autre page. Hein. Je trouve que ça fait super. Enfin, je sais pas. De loin, on y voit mieux. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ces petits washi maison botanique. C'est sympa. Hein, bon, enfin, moi, ça me plaît. Après. Moi, ça me plaît. Alors, on va partir déjà sur ces stickers-là. Je crois que j'en ai sorti assez. Hein, pour la customiser, la gamine. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça tombe. Ici, ça tombe. Pourvu qu'il n'y ait pas de chat, pourvu qu'il n'y ait pas de chat, pourvu qu'il n'y ait pas de chat, pourvu qu'il n'y ait pas de chat. Pourvu qu'il n'y ait pas de chat. Ça, non, pas pour l'instant. Alors. Là, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ça, ça. Bon, ça déjà. Alors, je vais lui mettre des fleurettes dans les cheveux. Dans les cheveux. Dans tes cheveux, ma belle. On va te rendre féerique, ma gamine. On va lui mettre une petite abeille. Abeille, mais oui, besoin d'une abeille si tu as besoin, si tu as besoin, un petit papillon. Alors, on a toujours besoin d'un papillon chez soi. Il y a un beau vélo. Oh, mon vélo, c'est joli, mon vélo. Ben oui, mais je vais pas mettre un vélo. Alors, attendez. Je vais lui mettre un escargot dans les cheveux. Pour gamine. Mais si, ça te va bien, un escargot dans les cheveux. Mais qu'est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que tu te plains? Ça te va magnifique. Il y a une petite fraise. Tu veux pas une fraise? Pourquoi tu veux pas de fraise dans les cheveux? Pourquoi? Tu te plains toujours, mais. Bah, c'est moi qui décide. Veux-tu? On ne discute pas. Ça ne se fait pas. Bah, là, je voudrais bien te mettre ça, là, comme ça. Là. Regarde, ça te va. Oh là, ça te va magnifique. Là. Tu es magnifique, là, comme ça. Si, ma chérie, tu es magnifique. Oh là, tu es magnifique. Bouge pas, ma chérie. Bouge pas, ça te va bien notre teint, regarde, tu es magnifique, magnifique, attends, bouge pas, bouge pas, plein toujours, ma, non, attendez, comme ça, ma, tu te plains pas, tu fais ce que je te dis, c'est moi qui te customise. Voilà. Si ça te va bien, ça te va bien. Regarde, regarde, regarde. Regarde dans ma chérie. Tu es magnifique. Magnifique. Si. Tu es magnifique. Alors, si tu veux, tu te plains encore. Bah, je te mettrai bien une courgette dans les cheveux. Non. Ça ne va pas t'aller autant. Je dis que cucurbitacée. Ah, je me passe ça dans les cheveux, la pauvre. Un petit osio, par contre. Bah, regarde. Tu es un petit peu comme Tata Yo-Yo. Tu vois. Je sais pas où te mettre, toi, le petit oiseau.
au-dessus de la tête. Si je te mettais un petit vase sur la tête. Non, je vais te mettre un champignon. Un petit champignon. Si, ça te va bien. Si. Si, si, je te dis si. Si, ça te va. Attends, il y en a un autre d'oiseau. Oh là là. Mais si, il est magnifique. Celui-ci est encore plus gros. Le bonheur, ça va par deux. Ah, attendez, je vais mettre les petits oiseaux là. Bah, attends, je t'enlève l'oiseau de la tête. Le bonheur, ça va par deux. Je vais mettre le papa et la maman Zozio. Voilà. Discute pas, c'est comme ça. Je vais te mettre, par contre, dans ta tête alouette. Bon, dans ta tête alouette, là, ça, je garde. Attendez. Ah. Bah. Alors ça, attendez. Non, ça je garde, c'est pour une autre fois. C'est joli ça. Si, si, c'est joli. Regardez ça. Voilà, c'est ça que je veux garder. Ça, je veux jeter. Ah! J'ai gardé quelque chose au doigt. Bon, la vidéo va faire 3 heures encore. Ah, mais bon, c'est pas possible. Ah, mais c'est pas possible. Bon, je vais vous laisser là, l'escapadite, hein, vous en avez. Quand je dis escapadite, là, c'est collagénite. Collagénite. Alors, hop, là non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Ah, il y a un autre champignon là. Oui, pour la fée des jardins, il faut des champignons. Alors, il y a encore une petite abeille. J'ai pas arrivé. Si, j'ai vu la petite abeille. Il y a une toute petite abeille. Voilà. Donc là, ça suffit. Ça suffit pour l'instant. On va dire que là, sur ces trucs d'action, si ça suffit. Si ça suffit. Là que je trouve, genre, tu vois, dans ma scrapbook, tout ce que j'ai encore comme truc comme ça que j'ai jamais utilisé, et là ça permet de passer. Aujourd'hui, alors maintenant on va faire ces petits blocs. Je me souviens, j'en avais sorti deux. Bah, alors, ce serait fort ça. Je vais faire cela. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui me botte, qui irait bien à la tête, à l'ouette? Là, c'est tout. Alors, attendez, parce que là, ça ne va plus. Il faudrait quelque chose d'autre. Je range ça. Si j'y arrive. Ça, je vais qu'il botte là-dedans. Celui-là, j'avais sorti. Et là,
Alors, je pense pas que cela. Ça, non, les homéatopées là, ça va pas aller. Pour ma toupette, en tout cas. Là, j'ai quoi? Le papillon est trop gros. Ça va pas. Ça va pas. Ça... Ah, t'as bon. Ah non, je veux c'est un papillon, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. Non plus, peut-être ça là. Ça là pour cacher un peu le mot là. Ça va pas. Alors là dedans. J'ai une petite fourmi. C'est quoi ça, non? Ça, non. J'ai un petit papillon qui irait bien là. Voilà. J'ai quoi d'autre? Le petit papillon qui est trop mignon là. Oh là, elle est mignon là. Des cerises. Alors, je vais vous montrer hein, où je m'en ai. J'ai une autre petite abeille là. Sympa aussi. Là et bah ça va être tout. Voilà. Et attendez. Là, qu'est-ce que j'ai? Stressé, fatigué. Ouais, ça suffit, je trouve ça c'est marrant. Faut que je trouve un arc-en-ciel. Et puis on va arrêter là les scrapanites. Alors, je trouverai des citations qui me bottent. Après, recherche de citations qui me bottent. Qui ira pas avec la photo, mais qui ira avec ma tête du jour, je sais pas, où ma tête va m'emporter. Cappuccino. Là. Cappuccino, et comment là? Ah, ça ravigote.
You are my sunshine. Mais c'est un peu gros. Non, c'est trop gros. C'est trop gros. Take if easy. Non, il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va là. Ça va pas avec ma photo. Ça ne va pas avec ma photo. Ça, je peux peut-être lui mettre une. Un truc comme ça dans les cheveux, encore. La gamine. Bah, qu'est-ce que tu veux? Attendez, je vais les remettre. Ça. Dans les cheveux. Si, ça va t'aller à ravir. Ça te va ravir. Ça te va ravir. Et tu es belle, bellissime. Mais belle. Oh, c'est lourd ça. Oh. Alors, est-ce que j'ai. Pourquoi j'ai ça, moi? Alerte! Du bord, mon homme, ah! Je vous laisse scraper vite, scraper bien. J'en suis là. Regardez, j'en suis là. Ouais, bah, allez voir sur la créa, sur Asta. Je vous fais plein de scrap bisous. Je vous laisse. Ah, mon homme a raccroché. Vite, à plus, à bientôt, à ciao, à tantôt. Plein de scrap bisous.